Right, turn, take your, leave us no reason.
Bonjour à tous, bienvenue sur French Grip Channel. Alors je suis très heureux parce que j'ai encore un invité. Les invités c'est pas inépuisable et moi j'arrive à en trouver à chaque fois. Et celui que j'ai aujourd'hui faisait partie de ma shortlist. Il faisait partie de ceux que je voulais inviter dès le départ parce que je le connais depuis longtemps, parce que je sais que c'est un batteur merveilleux. Volodia Brice, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de t'avoir avec moi parce que t'es une référence dans le milieu, surtout dans notre région à nous, parce qu'on est dans le sud-est de la France. Et monsieur est là depuis les années 90, le tout début des années 90. Il fait pas son âge, on ne le donnera pas par pudeur. On dira pas quel âge tu as. Mais ça fait 30 ans que tu trimbales ton métier partout et que tu fais des tonnes et des tonnes de trucs. Et je suis très fier et très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. J'essaye de rester passionné, surtout par la musique, bien sûr, et puis la batterie en particulier. Et Dieu sait que tu as fait pourtant des boulots des fois usants un peu. Voilà, ce que je voulais dire, quand on est musicien professionnel, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ça fait partie du job. Et moi, j'ai la chance d'être encore là, après quelques années de métier. C'est chouette. C'est aussi parce que tu as des beaux projets, et ça on va en parler, avec ton site Drums & Bass Tools, oui, que tu vas développer à partir de la rentrée là. Fin août, début septembre, j'aimerais que le site soit en ligne, effectivement. Ça va nous occuper une bonne partie de cette vidéo, vous allez voir, c'est un truc très intéressant, avec vraiment un concept très intellectualisé derrière, et qui pourtant, dans l'application, est super simple, extrêmement pratique, extrêmement pédagogique, c'est un petit peu le but. C'est le but. En fait, en gros, c'est que tu utilises la basse dans les cours de batterie. Voilà, mais ça fait depuis les années 90 que j'utilise ce concept parce que j'ai toujours travaillé la basse parallèlement à la batterie en tant que musicien. Et puis, j'ai commencé au conservatoire avec ce genre de méthode, Agostini, que tout le monde connaît. Oui. J'ai fait un cursus assez standard, percussion classique, timbales, vibraphone, etc. Et la batterie en particulier, bien sûr. Et puis parallèlement, la basse en autodidacte. J'ai jamais pris de cours en autodidacte, donc je suis pas un pro de la basse, mais j'ai toujours utilisé cet instrument-là pour mes élèves, pour leur faire comprendre quel était leur rôle de batteur, parce qu'on parle beaucoup de basse-batterie, mais en fait, il s'agit de tous les autres instruments, bien sûr, on doit tout écouter. Mais la basse en particulier, moi, je permets aux élèves de s'entraîner en permanence dans chaque cours, en fait. Je sors la basse au moins une fois par cours. Voilà. C'est un petit peu ton outil principal avec la batterie, mais t'aimes bien utiliser tout un tas d'outils, on va en parler vraiment longuement parce que c'est vraiment très intéressant. T'as un module SPD de chez Roland aussi qui est très simple. Pour moi, ça fait partie des outils actuels que tout batteur devrait maîtriser. C'est pas un SPDS ou un SPDSX pour les pros, c'est-à-dire moi j'ai utilisé ce genre de machine à l'Olympia ou ce genre de grosse scène où on a besoin d'un matériel très performant. Là, c'est la même chose en version compacte et je l'utilise beaucoup avec mes élèves, d'accord, sur scène, en répétition. Pour travailler la batterie, ça me sert de métronome, c'est vraiment un très bon outil. 250 €. Voilà. Soit une bouchée de pain quand on sait que c'est un outil qu'on On pourra en parler dans la vidéo qui sera consacrée au matériel, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Sera un peu long. Ça va faire partie du sujet. Pour revenir donc au cours, basse batterie, moi j'utilise également plus récemment, parce que tout à l'heure je parlais des méthodes Agostini qui sont des méthodes reconnues. Mais qui ont un peu, un certain temps. Voilà, qui ont un peu vieilli, il faut reconnaître, mais qui sont très très performantes. Hein. Et moi, j'utilise beaucoup la méthode de Franck Agulon et Didier Ottaviani. Elle est très actuelle, très complète. Et on pourrait croire qu'elle serait orientée très jazz, parce que Franck est un très très grand batteur de jazz. Mais non, c'est pour tous les batteurs, absolument. Ça permet de développer des concepts d'improvisation, de groove, de placement. Enfin, c'est... Il y en a pour 10 ans de travail. Quoi. Ouais. Alors justement, 10 ans de travail, est-ce que tout le monde est prêt à faire ça? Non. Et moi, c'est ce que j'ai constaté avec mes élèves sur 25 ans d'enseignement. 90% des gens qui viennent me voir, eh bien, c'est monsieur et madame tout le monde en fait, qui veulent découvrir l'instrument d'abord ou se perfectionner, mais ce ne sont pas des gens qui veulent devenir des pros. Ils n'ont pas le temps de faire 3 heures de batterie par jour. Déjà que moi, j'ai du mal à le faire. Et pourtant, ça a été ton métier pendant très longtemps. On va faire vite fait un aperçu de ton parcours quand même. Parce que, oui. Donc tu es le batteur actuellement de Lagairon. Tout à fait. Dont on a écouté un morceau en introduction qui s'appelle... S'il s'appelle Rainbow... ça me revient, on va le couper au montage. Coat in the Rainbow. Coat in the Rainbow, voilà. Et moi, avec l'anglais... Donc, Coat in the Rainbow, et tu es aussi le batteur de Young. Young, oui, tout à fait. On parlera des musiciens avec lesquels tu travailles dans ces groupes-là, évidemment, pour leur passer déjà le bonjour, nos amitiés, et puis pour souligner leur travail aussi, qui est super impressionnant et très intéressant. Donc, tu es un batteur qui
travailles en tant que batteur aussi, même si tu ne fais plus autant de choses qu'avant, parce qu'avant tu jouais dans des orchestres, tu accompagnais aussi des chanteurs de variété qui étaient connus. Oui. Et donc mais tu restes quand même un batteur performeur. Mais tu es devenu, avec le temps, avant tout un enseignant maintenant. Tout à fait. Une discipline qui te passionne vraiment. Ça fait 10 ans que je me suis orienté vers l'enseignement à plein temps, depuis que je suis sur Toulon. Hein. Avant, j'étais à Nice, où j'ai fait le métier pendant 17 ans, en tant qu'intermittent du spectacle. Et donc là, c'est ce que je disais au début, tu es amené à faire tout, absolument tout ce qui se présente. Tu dois faire des cachets pour être honnête. Oui. Voilà. Et donc tu ne peux pas dire ben non, ça m'intéresse pas trop comme musique, je vais plutôt faire ça. Non, tu ne peux pas. Et par contre, il y a un côté très positif là-dedans, c'est que tu apprends à tout jouer, absolument tout. Bah notamment, on va parler vite fait de ton passage dans un des plus grands orchestres de l'époque qui s'appelait l'Orchestre B des Anges. B des Anges. Dans lequel tu es resté longtemps. Que je salue au passage. Dans lequel tu es resté longtemps. Je sais plus combien d'années, 8, 10 ans. Et dans lequel tu devais jouer peut-être 200, 300 bouts de morceaux par jour. Oui, on a fait de toutes sortes de travail. On a joué au Sporting Club beaucoup, Palais des Festivals, mais aussi sur la promenade des Anglais devant 12 000 personnes, mais aussi des tout petits endroits un peu intimes, privés, des meetings, enfin, t'as des balles, beaucoup de balles dans l'arrière-pays. Donc je connais tous les villages de l'arrière-pays. Ouais, soit. Tous les gilets, ouais, mais c'est super. Et c'est des bons souvenirs, vraiment des bons souvenirs. Et mais en même temps, avec le recul, je me rends compte que j'ai vraiment appris le métier avec ces gens-là. Et puis c'était grosse machine. Ouais. C'était une grosse machine, tu me disais. C'était tourbus, ouais. Camion, plusieurs chauffeurs, une équipe pour faire le backline, ils étaient 6, je crois. Voilà. Et des fois, on était 12 musiciens sur scène. Donc ouais. Et c'est surtout une famille, une équipe. On apprend à travailler ensemble. C'est le plus important, en fait, dans ce métier-là. Et j'insiste là-dessus par rapport à mon enseignement, parce que c'est un héritage aussi que j'essaye de transmettre aux élèves. De ne pas trop se concentrer. Bien sûr, au début, on doit se concentrer sur la technique, c'est normal. Agostini, voilà, toutes ces méthodes un peu abouties. Et puis moi, je me suis dit, mais attends, 90% des gens qui viennent me voir n'ont pas le temps, en fait, de bosser ça. Donc j'ai décidé d'en faire un condensé. L'idée, c'est d'un condensé qui tienne sur une page. Le sujet du jour va tenir sur une page à chaque fois. Donc ça ne va pas très loin, mais on a l'essentiel, c'est surtout ça. Alors bien sûr, là j'ai ramené 2 feuilles par rapport au sujet basse-batterie dont on parle, pour le site internet. C'est quoi ce site internet? C'est juste une extrapolation de mon cours. C'est vraiment né d'une discussion que tu as avec tes élèves. Exactement. Qui te disaient, Brice, enfin Volodia, ouais. Je m'appelle Brice, c'est son nom de famille. Normal. Tout le monde te le fait ça, non? Oui, souvent. Je disais, Volo, ce serait cool que ta méthode qui fonctionne, avec laquelle moi je bosse depuis des années, tu la mettes en ligne à disposition de tout le monde, parce que c'est... Exactement, et j'avais ce retour tout le temps, on me disait c'est bien ce qu'on fait ensemble dans la salle de cours, mais j'aimerais retrouver ça sur un site ou sur au moins un playback, etc. Mais c'est beaucoup de travail en fait. Et ça fait deux ans que j'ai ça dans la tête, un coin de ma tête, et je me dis je vais le faire. Je vais le faire. Jusqu'au jour, cette année, on est tous concernés. Le problème de santé au niveau international et national en particulier, eh ben, ça nous a tous mis en confinement. On a eu le temps de réfléchir et d'avoir, justement, en ce qui me concerne, le temps de poser ça sur le papier et de dire, voilà, je vais structurer, je vais faire une maquette d'un site. Est-ce que ça fonctionne, oui et non? J'ai présenté ça à des amis, ils m'ont dit, tiens, c'est pas mal, bon. Et hop, j'ai lancé une cagnotte participative qui a plutôt bien fonctionné. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Ça m'a permis d'avoir du matériel très vite pour faire ça. Et le mois suivant, j'ai enregistré 8 jours non-stop de vidéos. Et tout seul, ça, c'était pas évident. C'était pas évident, mais ça t'apprend. En fait, j'y connais absolument rien en vidéo audio, c'est pas mon job. T'en connais plus maintenant qu'il y a... Un peu plus, voilà, et ça s'améliorera. Donc la première version du site, bon, elle sera ce qu'elle sera. J'ai fait mon maximum. Et petit à petit, notamment, je t'en parlais au niveau des éclairages, je vais essayer d'améliorer ça. Il y aura également un contenu dédié au jazz, toutes les musiques latines, etc. J'ai pas eu le temps de faire ça. Ça viendra. Ça viendra. Et donc l'idée, c'est de naviguer entre la basse et la batterie, avec comme sujet principal la batterie, j'imagine. Oui, bien sûr, parce que je suis pas à même de donner des cours de basse. Ce serait prétentieux. Il joue bien de la basse, hein, oui, mais on va se calmer. Hein. Donner des cours, c'est pas la même chose. Ouais. Pourquoi j'enseigne depuis si longtemps? Parce que j'ai été moi-même élève au conservatoire, puis à l'Institut des arts rythmiques à Paris. Et là, on m'a vraiment appris à jouer de cet instrument-là.
Les percussions classiques avant et puis l'instrument, la batterie en particulier. T'as arrêté vite ton cursus pour faire le métier par contre après. Voilà, je ne suis pas allé jusqu'au bout du cursus. Pourquoi ? Parce que on m'appelait. À l'époque, il y avait beaucoup plus de travail que maintenant, il faut le savoir. Et quand tu es jeune, que tu veux faire de la scène et qu'on t'appelle tout le temps, bah, tu ne te dis pas « je vais y réfléchir ». Non, tu fonces. Et surtout quand tu vas, que tu vois que c'est voilà. L'affaire. C'est, voilà. Quand je suis arrivé à Nice, par exemple, je ne connaissais personne. Et deux semaines plus tard, je travaillais avec beaucoup de gens déjà. Et un mois plus tard, j'étais chez BD Anges. Ça a été extrêmement vite. Et à partir de là, paf, j'ai fait une carrière, restons modestes, une petite carrière, dans le sud de la France, où voilà, j'ai travaillé avec tout le monde pratiquement, aussi bien dans les grands orchestres que dans des petites formations de jazz, par exemple avec Jean-Marc Jaffé, dans les clubs comme le De Clompe, où on faisait ouais. Beaucoup, où on rencontrait beaucoup de gens de partout, quoi, de toute la France, parce qu'il faut reconnaître que sur Nice, il y a beaucoup de très bons musiciens, et ça attire en fait du monde tout ça. Tout à fait. Voilà. Je pense que c'est encore le cas. Oh oui, c'est encore le cas, mais il y a moins de boulot quand même pour ceux qui veulent vraiment faire ça. On le sait bien. Professionnellement, c'est plus difficile. Surtout en ce moment, on peut en parler, tout le monde est concerné. La situation sanitaire actuelle a un impact très très dur sur la profession, les intermittents du spectacle, moi en tant qu'enseignant. Moi, je suis concerné en tant que technicien. Voilà. Et forcément, ça va avoir un impact sur le long terme, je pense. Il faut être positif, il faut aller de l'avant, mais en étant conscient que voilà, ça ne sera pas facile, il faut se battre. Parfait. Pour revenir donc au sujet basse batterie, j'ai deux secondes, ramené deux secondes, exemples. Deux secondes. Oui. J'ai la caméra là-bas qui s'éteinte. D'accord. J'ai 12 minutes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je l'ai en visuel, je le vois comme ça. D'accord. Donc je reprends sur ce que je disais. Oui, oui. Ok. Je fais un petit clic que tu as un repère. Donc pour revenir au sujet qui nous intéresse, la basse et la batterie, le site internet, les cours de batterie en particulier. Moi j'ai pris deux exemples de ce que j'ai écrit. Je rappelle que ce sont des condensés en fait de cours que moi j'ai déjà enseigné pendant des années à partir des méthodes comme Agostini. Et j'ai fait un condensé pour expliquer en particulier comment développer un groove basse batterie. Voilà. Alors l'idée, je vais mettre mon casque. J'utilise cette petite machine-là avec les élèves. Au début, c'est un clic, bien sûr, mais je préfère nettement travailler avec une partie de guitare, des claviers, une rythmique, sans la batterie, évidemment. Pour qu'il y ait de la musique et pas seulement un machin qui fait clic. Voilà. Ouais. Il faut travailler musicalement, développer son oreille, parce qu'il faut arriver au fur et à mesure à avoir 50% de son attention sur l'instrument et 50% de son attention sur tout ce qu'il y a autour de soi. Les oreilles, bien sûr. Les yeux, si on lit une partition éventuellement, ou on regarde le chanteur, voilà. Et il y a un septième élément, parce qu'il y a deux mains et deux pieds, c'est la pensée. Il faut bien savoir que tu es en train de penser à ta structure, au fait qu'il y ait un pont à tel endroit. Donc ça fait sept éléments à gérer quand on est batteur. Pas mal quand même, hein ? Alors bon, pour revenir là-dessus, l'idée c'est de prendre un loop. J'ai pris un morceau de Veuve Peck. Le voici. À partir de ce loop-là, je vais essayer de développer un groove qui va coller avec le morceau. Voilà. Donc en général, je fais travailler ça aux élèves quand ils ont déjà des bases solides sur l'indépendance charlée, caisse claire, etc. Hein, on n'est pas débutant. Donc je mets un charlée droit. Caisse claire sur 2 et 4 pour l'afterbeat. C'est ce qu'on entend sur le loop. Et ensuite, je vais développer ma grosse caisse. Et cette grosse caisse-là va être déterminante par rapport à la basse. Pour le bassiste, ça va être très important. Il va pouvoir se poser dessus. Tout à voilà. Fait. Alors moi, ce que je propose au début, c'est ce rythme-là. Relativement simple. On peut après rajouter des ghost notes, du charlet avec des accentuations, des doublés de grosses caisses, des tomes, tout ce que tu veux, mais on ne doit jamais perdre de vue ce groove de base. Parce que c'est ce qu'entend le public. C'est ce qu'entend le public, exactement. Et ça, je l'ai appris où ? C'est pas au conservatoire, j'ai appris ça. Sans faisant du bal. Ah ouais ? Voilà. Parce que je me souviens de mon patron de l'époque, il est venu
très sympathiquement, hein, c'était pas pour me donner une leçon, mais juste il m'a dit, tu n'écoutes pas assez, tu ne regardes pas assez le public qui danse devant toi. Parce que le tempo, c'est toi. Si tu vas trop vite, trop lentement, si ton jeu est trop complexe, les gens, ils n'arrivent plus à danser. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour l'auditeur, c'est la même chose. Il faut que ça le touche directement. Donc ça peut être complexe. Je vais en donner quelques exemples en restant sur ce groove de base. Et je vais rajouter des ghost notes, mais sans perdre le fil de mon groove. C'est parti. Etc. À l'infini. À l'infini. Et maintenant, la deuxième étape que je demande à mes élèves, c'est de placer ça sur un tempo imposé par la guitare. Hein ? Alors on l'envoie et puis on essaye de refaire la même chose. Allez. Voilà le principe. Et ils doivent trouver ça génial parce que ça leur fait faire de la musique tout de suite. Tout de suite. Voilà. C'est ça qui est bien. Ouais. Alors, ça paraît simple, mais en vérité, c'est un gros travail, hein, le tempo. Là, sur ce loop-là, je n'ai pas de clic, volontairement. Donc même moi, si vous écoutez attentivement, peut-être j'ai joué un peu devant, légèrement derrière par moment. C'est pas très grave, ça. Ce qu'il faut, c'est être dans la musique. C'est aller coller à ce que vous entendez. Donc là, le visuel ne sert à rien. D'accord. Pour finir... La dernière étape, ça fait toujours partie de la troisième phase du cours en général, on va passer à la partie ludique. Donc la partie ludique, j'enlève le casque, c'est jouer avec moi à la basse. Je prends le rôle du bassiste et il nous faut un batteur. Je crois qu'il n'y a que moi. Il n'y a que toi dans cette salle. Donc si tu veux bien, je vais te demander de contribuer à cet petit exercice et on va essayer de jouer... à peu près dans cet esprit-là. Alors, je ne te mets pas le loop ici. On va le jouer juste basse-batterie. Okay. Et on va essayer de développer ensemble un groove. Simplement, sur le site internet, pour y revenir, moi, forcément, je joue la basse et la batterie. Je les fais séparément. Et ce que je vais proposer, et oui. C'est des vidéos multiples où on aura les deux instruments avec le loop ou sans la basse, ou sans la batterie, ou juste le loop. Comme ça, tout le monde en aura pour son argent, comme on dit. C'est-à-dire qu'on pourra vraiment travailler son propre jeu. L'idée du site internet, c'est ne pas imposer les choses, c'est de proposer. Je propose une vision, ma vision du truc, et puis après, allez-y. Et moi, j'aimerais qu'on parle vite fait de la distinction, la dichotomie, comme tu veux, entre la batterie acoustique et la batterie électronique. Tu m'expliquais à part qu'une batterie électronique, c'était plus un outil qu'un instrument de musique. Alors, ça, c'est le point de vue du professionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé les batteries électroniques sur scène. Honnêtement, sur scène, carrément. Sur scène, bien sûr. Je citerai pas de marque, des très bonnes marques de batteries. De toute façon. Voilà, des très bonnes marques de batteries, j'ai essayé tout. Hein. Ouais. Et je n'ai pas été satisfait. En tant que professionnel, j'insiste là-dessus. Je n'ai pas les sensations, tu vois, de la frappe, du métal, de... Voilà, c'est pas du tout la même sensation. Pour finir sur ce sujet-là, je conseille à mes élèves d'avoir une batterie électronique comme un outil à la maison pour pas déranger les voisins, mais il faut toujours pratiquer l'instrument acoustique au moins une fois par mois. Ouais. Au moins une fois par mois pour garder les sensations. Pourquoi ? Parce que sur cet instrument-là, là j'ai pas le temps de développer le cours, mais il y a énormément de nuances. Un instrument qui donne l'impression que c'est du martelage, etc. Mais pas du tout. Ça demande beaucoup plus de finesse, de mon point de vue, de jouer de la batterie que du piano. Parce que le piano, les touches sont très proches. Voilà. Là, quand je fais ça, j'ai un geste
qui va très vite et hop, je dois poser la note. Voilà. Et ça, c'est valable pour chaque pied, chaque main. Les nuances sont différentes. J'ai pas le temps d'expliquer tout, mais on a plusieurs nuances par main et par pied en vérité, quand on travaille vraiment bien la batterie. Voilà. Et donc, si tu veux bien, on va essayer maintenant la partie basse batterie. Je vais prendre le rôle du bassiste. Allons-y, il y a un ampli basse, c'est juste là. On va s'amuser. On va déplacer les caméras, puis on va faire ça. Nous avons donc changé de place avec Volodia, donc tu es passé à la basse. À la basse. Et moi derrière la batterie, je ne sais pas du tout ce qu'il va me demander. Hein. Je ne sais pas encore. Mais ce moi va... non plus. Voilà. Oui, c'était un peu le but de la manœuvre, c'est pas de préparer quoi que ce soit. Donc là, on est concrètement dans ce que toi t'appelles la phase 3 de tes cours. Voilà. L'idée, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure au niveau du groove, c'est-à-dire je vais le chanter. Ce genre-là. Tu fais ce que tu veux à partir de ce thème-là, d'accord, d'accord. Mais moi, je propose une phrase de basse également, qui peut être celle-ci, par exemple. 3, 4... etc. Et donc à moi de mettre en application voilà. Ce que théoriquement on aurait vu dans les 40 premières minutes du cours. Voilà. Et là j'essaye de suivre. Ok. Donc au début ça va être très simple ce que je joue à la basse, c'est ce que je fais avec mes élèves. De manière à ce qu'ils soient à l'aise, je vais plutôt poser ma basse sur sa grosse caisse sans aller chercher autour. Hein. Et puis après je vais complexifier un peu rythmiquement en rajoutant des ghost notes. Et le batteur lui doit rester sur son rôle. Ne pas trop se laisser influencer. Il doit l'écouter, la basse, parce que bien sûr, on doit s'écouter. Là, on n'a pas de clic, on n'a pas de choses imposées, mais je le fais également avec le SPD-1, qui lui, du coup, nous met un chemin tout tracé avec un tempo imposé. C'est encore autre chose, ça. Là, c'est beaucoup plus libre. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, mais on s'écoute, hein, on essaye. Eh ben, je t'écoute et je te vois. C'est parti. Voilà. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4... Ok, super, super. Donc tu vois, il y a une écoute très importante. Donc ça, j'essaye de l'expliquer à mes élèves. Chacun fait un peu son rôle.
Moi, honnêtement, j'ai préféré la toute première partie en ce qui me concerne, parce que je restais très sobre, tu vois, voilà. Et il y a aussi le fait de laisser l'espace à l'autre, d'accord. Là, je t'ai pas laissé assez d'espace de mon point de vue. Oui, parce que tu as commencé à improviser. Et donc, mettre du slap par-dessus, c'était pas la meilleure idée. Mais c'était improvisé, c'était spontané. On a fait tout ça en accéléré. Voilà. L'idée, c'était de s'écouter et d'arriver à créer quelque chose ensemble. D'accord. Tu sais pourquoi ? C'est parce que j'ai pas eu le cours avant. C'est pour ça que je galère. J'ai pas eu le cours. Alors avant. Bien sûr, dans mon cours, c'est là ce qu'on a fait tous les deux, c'est déjà complexe. Oui, on est d'accord. Peu, ouais. Ça sera beaucoup plus simple ce que je vais développer sur le site internet. L'idée, c'est de développer des styles de base, donc pas forcément seulement du funk, du rock ou du slap. Non, il y aura de la bossa nova, du jazz, ce qu'on veut. Hein. Et pour des débutants ou des gens qui ont une ou deux années de batterie ou de basse, ça va être un vrai outil pour développer leur jeu. D'accord. Parce que tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir des musiciens autour de soi. Écoute, il faut y c'est penser à ça. Pour être quelqu'un qui travaille souvent la batterie tout seul et qui évidemment a travaillé la batterie tout seul parce que j'ai pris des cours et tout, je me mets à la place de tes élèves et c'est extrêmement intéressant et c'est vachement gratifiant et c'est très plaisant d'avoir quelqu'un qui joue d'un instrument bien sûr toi. Avec toi. C'est vraiment vraiment super quoi. Et je m'étais pas posé la question avant de le faire et je t'avoue que là même pour l'avoir fait 3 minutes et que bah moi je joue avec des musiciens tout le temps et tout mais c'est oui. vrai que si j'avais un bassiste qui pouvait venir les moments où j'ai voilà, envie de faire de la batterie envie de travailler. Et que 45 minutes par jour il me dit bah viens on fait un peu de basse batterie et que le mec bah il me dit bah, je viens je pars mais je te fais de la basse. Oh, ce serait formidable. Et bien sûr il faut du temps pour développer tout ça. Moi, avec les élèves, ça prend 1 an, 2 ans, hein, avant qu'il y ait vraiment une symbiose. Oui. Parce que petit à petit, ils connaissent mon jeu de basse. Bah, bien sûr. Qui n'est évidemment, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je joue avec la batterie dans Young ou la Guy Run. Tu l'as remarqué, déjà, j'ai pas le niveau pour jouer ça. Et puis, j'ai une approche complètement différente en tant que bassiste. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une culture de la basse en tant qu'autodidacte qui est très Mark King, moi j'adore Mark King ce bassiste, John Patitucci, tous ces gens des années un peu 80, tu vois. Ouais. Voilà. Et j'ai été beaucoup influencé par ces bassistes-là. Donc ce qui ressort dans mon jeu de basse, c'est ce que je viens de te jouer un peu ici, un peu de Pastorius, un peu de slap de Mark King. Ça ressort tout le temps dans mon cours. Et les élèves s'habituent à ça. Au bout d'un moment, ils anticipent. Et c'est exactement comme dans un groupe ou un bien binôme sûr. Basse-batterie. Tu peux être le meilleur musicien de la Terre. Si tu ne connais pas du tout la personne avec qui tu as joué, ça sera bien, mais sans plus. Par contre, au bout d'un an, à jouer avec la personne, à travailler tout le temps dans les mêmes concerts, etc., le même répertoire, là, ça tourne, mais tout seul, quoi. Il n'y a pas à forcer. Et c'est ça le but qu'on recherche dans le cours. C'est que ça soit naturel, qu'il n'y ait plus de réflexion. Moi, honnêtement, à la basse, je réfléchis, je suis obligé. Oui. Eh ouais, c'est pas mon instrument mais principal. Mais si ça peut te rassurer, pour un batteur aussi fort, tu joues très bien de la basse. En fait, oui et non. Il faut, faut savoir rester à sa place. Comme je te disais tout à l'heure, quand on joue, on a la chance d'avoir bossé avec Jean-Marc Jaffé, Frédéric Schneider, Franck Hermani, l'ancien bassiste de d'Adagio, oui. Nicolas Gomez, qui a bossé avec Björk et compagnie. Bon, quand ils font une note, ils font une note, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais bon, moi, normal, je cherche. C'est un métier à part. Mais, c'est un de tes anciens collègues avec qui je fais énormément de musique, qui s'appelle Julien Negro, qui est un excellent bassiste. Il m'a dit un truc très simple, il m'a dit « c'est très facile de jouer de la basse, c'est très difficile de jouer bien de la basse ». Exactement. Parce que chaque note doit être à sa place, mais c'est un peu comme la batterie. La batterie, tu peux faire poum, ta, toum, ta, ça va sonner très bien. Dès que tu vas faire des petits détails, il faut qu'ils soient parfaits. Ouais. Si tu rajoutes des petits détails, mais qui sont à côté, tu perds complètement le fil. Là-bas, c'est pareil, toutes les ghost notes reviennent aux ghost notes de la caisse claire. Et quand tu fais... Il y a beaucoup de ghost notes dans tout ça. Bon, forcément, moi, en tant que batteur, le slap, il n'y a aucun souci. Pourquoi ? Parce que c'est rythmique. Une fois que tu as compris comment faire sortir les notes, c'est juste du rythme, en fait, tu vois. Et la difficulté pour moi, c'est plutôt l'harmonie. Oui, bah oui, d'accord. La main gauche, les notes, ouais. Un jour, je me mettrai au violoncelle ou au piano, ou des choses comme ça. Quelque chose de pas rythmique, voilà. Le violoncelle, très bien. Si tu veux, on peut refaire un petit bout, hein, mais c'est comme tu veux. Ah, c'est toi, hein, moi, tu sais, j'ai un peu honte de tout ça. En plus, pour ne rien vous cacher, je fais 1m90 presque, et toi, non. Non. Et donc, installé sur sa batterie à lui, pour moi, c'est pas évident. J'ai tout, et puis les pédales et tout, enfin, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va essayer, allons-y.
Alors je vais faire un petit extrait d'un truc que j'aime beaucoup travailler avec mes élèves. J'ai écrit en duo basse batterie. C'est un extrait d'un morceau d'Uzeb, le groupe des années 70-80, une de mes références avec Paul Brochu à la batterie, Alain Caron à la basse. Et c'est un plan très slap qui est décomposé à la double croche. Et là, pour toi, c'est les vacances, quoi. Tu vas faire. Voilà, tu vois, c'est tout à fait à l'image de mon cours de batterie. On a réussi à tomber ensemble à la fin, je sais pas comment. Putain, Uzeb, quoi, bah, bravo. Bah écoute, merci, je vais retourner à ma place là-bas. C'est moi qui te remercie. Tu vas retourner à ta place là. Et on va finir tout ça dans la joie et la bonne humeur. Merci beaucoup. Merci. Je reprends ma place d'intervieweur. J'ai arrêté de jouer de la batterie parce que ce n'est pas moi la vedette de ces vidéos. Hein. Aujourd'hui, c'est donc Volodia qui est la vedette de cette vidéo. Écoute, c'est vraiment très intéressant ta méthode. Je pense qu'il y aura du monde sur ton site qui va passer pour voir un peu comment ça se passe. Écoute, j'espère. L'idée, c'est vraiment d'échanger les points de vue. Tu vois, de ne pas imposer les choses. Moi, j'ai un point de vue, mais je suis conscient que ça n'est qu'un point de vue et qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont me renvoyer la balle à partir de mes vidéos en faisant leur propre partie de batterie et en disant, bah non, moi je l'entendais comme ça, c'est peut-être vachement intéressant. Toi qui as fait tout le cursus conservatoire, vraiment classique, et qui maintenant est dans prof, mais dans une structure à part, parce que c'est ta structure personnelle, c'est un petit peu les deux moyens qu'on a d'apprendre un instrument de musique, conservatoire avec le cursus, ou alors avec des profs à l'extérieur. Comment tu regardes ton cursus donc conservatoire? Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment ça qui t'a forgé en tant que musicien? Oui. Honnêtement, ce qui m'a forgé en tant que musicien, c'est mon premier prof, Claude Lenné, que je remercie beaucoup. Ça, c'était en Normandie, ça. Ouais, tout ce qu'il m'a appris, c'était très académique. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas Internet, pas de tablette, pas de YouTube, tout ça. Le seul moyen, c'était d'apprendre avec un prof, d'aller voir des musiciens sur scène. Heureusement, à l'époque, il y en avait partout. On a une dizaine d'années d'écart. Je suis plus jeune que toi, mais pour ma génération, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que Internet est venu vraiment après. J'avais 18-19 ans quand j'ai eu Internet chez moi. Donc la batterie, c'était déjà fait. Et donc voilà, c'était ce prof, Claude, il m'a appris vraiment les bases de l'instrument, des percussions, caisse claire seule, c'est un instrument à part, triangle, vibraphone, xylophone, timbal classique, pour moi c'est très, très vieux maintenant tout ça. Il avait accès à tout ça? Oui, on avait une superbe salle, je me souviens, et j'avais pas de moyens moi à l'époque.
je suis issu d'une famille modeste, donc je ne pouvais pas m'acheter un instrument. Et ben, il m'a tout prêté, il m'a dit, je t'ouvre la salle, comme je vois que tu es bosseur. Et il m'a permis de bosser 2-3 fois dans la semaine, comme ça, de venir quand la salle était disponible. Tu vois. Donc j'ai eu de la chance, en vérité, grâce à cette personne-là. Je lui dois beaucoup. Après, j'ai eu d'autres profs, comme Joël Pellegrini, qui a créé une école pour les enfants. Maintenant, il est à Rabat, il est installé dans un institut musical. Maroc, lui aussi, lui, ouais, au Maroc. Il m'a beaucoup appris aussi sur le métier, voilà, la manière, parce qu'il faisait beaucoup le métier. Et le troisième prof que j'ai eu, c'est Daniel Pichon. Daniel Pichon, qui est à la retraite maintenant, je pense, et qui était à l'époque probablement le meilleur prof de France à Paris. Il était à la baguetterie. Oui. De Paris, et il avait installé son école là-bas. Il m'a appris beaucoup de choses. C'était un peu l'époque Dave Wakel, Steve Gadd, Vinnie Colaiuta, Denis Chambers pour moi. Voilà. Ça, c'est un prof que tu as eu à l'Académie des... C'est l'Institut des Arts Rythmiques. Voilà, l'Institut des Arts Rythmiques, une école qui existe toujours ? Non. Qui n'existe plus. Et non, parce qu'il a la retraite maintenant. Ah, c'était vraiment lui qui l'avait monté. Oui, c'était son école. Et je me souviens du premier cours qu'il m'a donné. C'était un cours collectif. Je n'avais pas les moyens de me payer un cours individuel. Donc, on était 4 élèves, lui au centre, donc 5 batteries, dans une grande salle. Et bon, déjà, je savais bien jouer la batterie, puisque je sortais du conservatoire. Ouais. Premier morceau, partition. Un morceau du Zeb. Oh pauvre, tu parles super. Paul Brochu. Un morceau du Zeb qui commençait comme ça. Ça c'est le premier truc. Il m'a fait faire ça à vue le gars. Bon, j'ai un peu triché parce que je connaissais le morceau. Ouais, heureusement. Donc comme je connaissais le morceau et que je faisais semblant de lire un peu, il a fait... quoi ? Il m'a regardé avec des yeux bizarres parce que ça l'a surpris. C'est parce comme... que c'était censé être un piège, normalement. Ah oui, voilà. Mais c'est le souvenir que j'ai du premier cours avec Daniel. Et après, bien sûr, il m'a fait découvrir la méthode Gary Chester. Je ne sais pas si tu connais. Non. Bah, c'est un très grand prof aux États-Unis, je crois. Je connais Jim Chapin, mais je connais pas Gary Chester. C'est The New Breed. Il y a eu la méthode 1 et 2 avec des concepts que j'utilise justement, bon là je ne les ai pas expliqués, mais de superposition rythmique. On joue un rythme d'une main pendant qu'on joue l'autre et puis on rajoute une phrase mélodique à la grosse caisse par exemple ou à la clave à gauche, etc. Le deuxième concept qui m'a appris, c'est que j'utilise beaucoup d'ailleurs, pas sur cette batterie-là, c'est le concept de jouer la batterie uniquement avec la main droite à droite et la main gauche à gauche. C'est tout bête. On ne va pas avec les deux mains sur le même côté. Non, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'en général, les batteurs, la plupart, ne vont pas à droite avec la main gauche. Et ils vont beaucoup à gauche avec la main droite. L'idée c'est, je l'utilise beaucoup parce que j'ai des problèmes d'épaule, t'as deux trucs, les tendons. Et puis il y a 1000 ans, en vérité. Le genou, enfin la totale, quoi. C'est et un donc, asiatique, c'est les gens ne vieillissent pas, il a 1000 ans. Son vrai âge, c'est 1000 ans. L'idée, c'est pour ça que j'utilise beaucoup les paradiddles. Ouais. Hein. Au lieu de faire... Bah tu fais un doublé, ça paraît évident. Et avec les paradiddles, tu te simplifies la vie en ayant l'air de te la compliquer, mais tu te la simplifies. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est beaucoup plus simple pour moi que d'aller chercher partout en bougeant les bras. Puis ça me fait des vacances, quoi. Totalement, totalement. Alors justement, puisque tu nous parles de batterie technique, on va quitter un petit peu le monde de la Gairon et on va rentrer dans le monde d'un autre groupe qui s'appelle Yang. Et là, on va écouter un morceau qui s'appelle Yago, dans lequel c'est un peu plus souple, mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de batterie. Alors, Yago, c'est issu de ce dernier album. Qui s'appelle The Failure of Words. D'accord. Qui a été fait il y a 4 ans, je crois. Un très bel album de Yang que je t'offre d'ailleurs. Eh ben merci. Tiens, beaucoup. Voilà, mais tu vas rentrer en studio avec Yang. Voilà, on fait le 4e album en fin octobre. Et parle-nous des musiciens qui sont avec toi. Alors, c'est Laurent James, Frédéric Lépé pour les guitares et Nicolas Gomez pour la basse. Alors, moi j'ai beaucoup de chance de travailler avec eux, ce sont de très grands musiciens. Et de très bons amis, ça fait 20 ans qu'on se connaît maintenant. C'est compliqué parce que vous êtes vraiment dans des régions du monde différentes. Hein. Fred, il est à Berlin, il était à Paris avant, maintenant il est à Berlin depuis 10 ans, je crois.
Nicolas, il est à Fréjus. D'accord. Voilà, parce qu'il faut savoir que Nicolas, il est neurologue, en fait. Il s'est reconverti, il s'est dit la musique, bof. Ils sont tombés sur le docteur Gomez, neurologue. Voilà. Vous que c'est, non, un... c'est un bassiste extraordinaire, voilà. Un lecteur, jamais vu ça de ma vie. Et surtout, avec un cursus pareil, long comme le bras, quoi. C'est la folie. Il a joué beaucoup à Londres, il a fait un album avec Björk. Il a le temps d'être neurologue, le mec. Ouais, et neurologue comme ça pour... Pour le plaisir, quoi. Pour... Oui, je pense que c'est sa passion et son métier maintenant, bien sûr. Ouais. C'est pas un mais ce qui m'épate, c'est qu'il continue à être un excellent musicien. Voilà. Et Frédéric Lépée, je ne sais pas si c'est nécessaire de le présenter, mais je vais le faire. C'est un des grands guitaristes français du progressif des années 70 jusqu'à maintenant. D'accord. Il a été le compositeur de l'excellent groupe Shylock, puis Philharmonie, dont j'ai fait partie sur le dernier album, et puis maintenant Young. Et on en est donc à notre troisième album. Le quatrième album arrive. Que vous allez enregistrer à... au studio de la Tarente, à. Ça va me revenir. C'est dans notre région, quoi. Oui, c'est à La Ciotat. Voilà, à La Ciotat, exactement. Avec Sébastien Caviggia, qui est aux manettes. Bon, c'est une jolie ville, et ouais. Je pense que vous allez passer un bon moment. Ouais. Eh bien, écoutez, on va écouter tout de suite Young, le morceau Yago, et puis on se retrouve après pour parler un petit peu de Like Iron aussi, puisque c'est l'autre groupe dans lequel tu joues.
Voilà, c'était Yago du groupe Yang. Alors, il y a vraiment une grande différence entre Lagairon et Yang, même si c'est le même batteur, et que les plans, les concepts que tu utilises, évidemment, c'est ton ADN de batteur, donc forcément, tu joues un petit peu la même chose, mais c'est pas du tout interprété de la même façon. Non. Ce qui se passe, c'est que, quelle que soit la formation qui me contacte pour un projet, moi, je fais très attention à une chose, c'est au service du compositeur, de la musique. Donc, si c'est Dev, parce que par exemple, j'ai accompagné Dev il y a des années de ça, bah, c'est poum, ta, poum, ta, t'es au service du chanteur. Ça devait être compliqué, il devait y avoir un directeur artistique. Oui, oui. Ouais. T'es au service des gens et tu fais vraiment ce qu'on te dit. Là, on me laisse plus de liberté, notamment avec Yang, Frédéric Lépé, qui est un grand compositeur, a l'intelligence de me laisser une totale liberté sur l'écriture de la batterie. Il me donne une maquette. Au début, ce n'était pas le cas. Il m'écrivait toute la batterie et je devais vraiment... Bon, c'est un exercice comme un autre. Il faut comparer ça au patinage artistique. La figure imposée et la figure libre. Libre, ouais. Tu vois, où tu es vraiment à l'aise et tu fais ce que tu veux et ça va swinguer, groover, tu vois. Quand tu as une partition, bon, tu fais le job, mais c'est un peu serré, tu vois. Bon, voilà. Et maintenant, donc Fred, il me laisse faire. Et plus on avance sur les albums, là, plus j'ai une liberté totale. Donc c'est naturel. Je sors les phrasés et j'improvise. Il y a cette notion d'improvisation, comme tu as pu le voir sur la vidéo. Moi, j'ai improvisé. C'est pas du tout le disque que j'ai joué. Oui, t'as joué 60% de musique qui est plus ou moins écrite et il y a 40% de. Voilà. Quoi. Si on compare au disque que je t'ai offert, tu vas dire, ah ben, c'est pas du tout les mêmes parties de batterie. Parce que aujourd'hui, je les ai senties comme ça. Voilà. Après, pour Lagairon, c'est quand même très écrit. Au départ, parce que Lagairon, c'est différent, c'est le projet d'un seul homme. Oui. Au tout départ, qui s'appelle Yann. Oui, alors son surnom, c'est Neuwin Head. Ouais. Hein, c'est Yann Morvan, en fait, là encore une fois, un compositeur d'exception qui mériterait d'être plus connu que ça. Ouais. Bon, il est passé dans les magazines récemment, Guitar Mag, etc. Guitar Part, je crois. Donc, c'est bien qu'il ait cette reconnaissance, enfin, parce que moi, ça fait 10 ans que je dis, les copains, il y a un gars dans le sud de la France. Pour ne rien vous cacher, nous qui sommes musiciens dans le sud de la France, on entend toujours parler de Yann Morvan. Oui. On sait qui c'est, on connaît sa musique parce qu'on écoute un petit peu Lagairon, parce que ça ressemble à Bumblefoot, Freak Kitchen, ce genre de choses. Plein d'influence. Ouais. Plein d'influence. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup. Non. Et dont on n'entend pas assez parler. Pour moi, Yann, c'est l'artiste par excellence. C'est pas un pro, tu vois ce que je veux dire ? Il a une idée, il a une vision globale d'à peu près tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que pour information, les parties de batterie que je joue, elles ne sont pas de moi. C'est lui qui les a programmées avec ses petits doigts sur l'ordinateur, mais ça sonne. C'est lui qui enregistre les disques. Parce que dans sa tête, il entend absolument tout. La basse, les chœurs, le texte, le visuel, il a absolument tout fait. Avec son frère, je crois, il s'est fait aider pour la pochette. Puis c'est lui qui fait la prod en plus. Voilà, mais ça fait beaucoup de travail et donc quand c'est pas ton job de tout faire, bah ça prend plus de temps. C'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Il y a des doutes, hein, tu sais ce que c'est d'être artiste. Oui. Il faut arrêter de dire que être un artiste, c'est un métier trop facile, c'est génial. Non, c'est difficile, c'est un vrai métier de passionné. Et pour aller au bout des choses, parfois. Il faut prendre son sac à dos et monter la pente. Ah ouais, c'est long. Et donc, quand on arrive, ce qui est le cas pour Lagairon, pour le deuxième album, ça nous a pris 7 ans. On est content qu'il sorte, tu vois, et qu'en plus, les critiques soient unanimes, dans le bon sens. Oui. Voilà, ça, c'est chouette. Rien que pour ça, c'est une vraie récompense. Après, on parlait tout à l'heure de la situation actuelle. Ça a annulé tous les concerts de cette année. On espère que tout ça va reprendre l'année suivante. Tu sais comment ça fonctionne, hein. Il y a une programmation à l'avance qui se fait. Bah, tu as plein de dates qui sont prévues un an avant. Voilà. Et donc là, des trucs qui étaient prévus il y a un an, qui ont été annulés 2 semaines avant. Tu sais pas si c'est pour reprogrammer. Ouais, donc, pour la composition de Lagairon, moi, je n'aurais absolument jamais le talent de Yann pour composer. Chaque morceau, c'est une œuvre d'art, quoi. Tout a été pensé. J'ai 15 versions de l'album, moi. Ah ouais ? Du début jusqu'à la fin. Mais je crois qu'il y en a eu plus, parce que c'est juste ce qu'il m'a envoyé à chaque fois, en pensant que c'était plus ou moins abouti. À chaque fois, il a rajouté des petits trucs, des petits détails. Et donc, c'est comme un très très bon film. C'est à voir une dizaine de fois avant de voir tous les détails. Et est-ce qu'il est hyper pointilleux sur ce que tu joues, toi ? Il l'est, on peut le dire, et ça me fait du bien parce que c'est un peu exigeant, donc ça me pousse un peu dans mes derniers retranchements. Par contre, sur scène, évidemment, c'est différent.
Il a autre chose à faire que m'écouter. Bah, il joue de la gratte, il chante en même temps. Et donc, il y a une totale liberté. L'important, c'est qu'à la fin du concert, ça se passe bien et que tout le monde soit content. Pour l'instant, c'est le cas. Merci, Yann. Voilà. Donc, il n'est pas tout seul dans ce groupe-là, il y a toi. Il y a Frédéric Schneider, voilà, qui est à la basse. Alors, Frédéric Schneider, c'est encore une longue histoire. Je vais en parler après. Il y a également Chris Rissi, qui est au chœur et au clavier, qui fait des percussions, qui est vraiment une pièce très importante dans la nouvelle formation. Chris, qui est une fille. Hein. Une chanteuse, bien sûr. Et qui rajoute vraiment beaucoup de choses, qui fait des chœurs en temps réel, harmonisés avec le clavier. Ça rajoute vraiment beaucoup de choses au groupe. Et c'était nécessaire de toute manière, parce que quand tu écoutes les chœurs de l'album, moi, les chœurs, non. Si je chante, on perd 10 dates directement. D'accord. Pas besoin du Covid, quoi. Voilà. Et donc Frédéric Schneider, donc grande histoire. Alors Fred, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Fred, il est mondialement connu comme démonstrateur pour plein de marques de basses. Il a fait tous les salons du monde entier. Et il y a une dizaine d'années, alors les choses se font jamais par hasard, j'imagine. Hein. C'est que je voulais donc changer de région pour m'installer à Toulon. Ouais. Et boum, je reçois un coup de fil. Fred Schneider, ah, comment vas-tu? J'ai un projet à te proposer. La Gairon, un jeune musicien du Var qui a un projet, il me fait écouter et bien sûr ça m'a intéressé de suite. Parce que donc, la première maquette était déjà super aboutie. Oui, ouais, c'était pratiquement terminé quoi. Et donc Fred, lui, il m'a convaincu d'adhérer à ce projet. Et comme on se connaît depuis très longtemps, que je connais son talent de compositeur, il faut aller écouter ses albums à Fred, c'est extraordinaire. C'est un des grands bassistes français. Voilà. Alors peut-être que les nouvelles générations ne le connaissent pas, mais je vous invite tous à aller écouter ses albums. Il en a fait beaucoup avec de très très grands musiciens. Je ne peux pas les citer. Souvent, mais il doit être cité au fin fond du line-up, mais on ne sait même pas qu'il est là, quoi. Voilà, et en travaillant avec lui en tant que batteur, bon, eh bien, je joue de la basse, et là, je reste à ma place. Parce que quand on l'entend jouer la basse, Fred, on comprend qu'on a affaire à un grand musicien, tu vois. Et donc la basse, moi j'en joue en tant qu'amateur, voilà. Mais j'aimerais avoir la moitié de son talent, ce serait cool. Et ça t'a jamais tenté d'être bassiste dans un groupe ? Alors je l'ai fait. Il y a un tas de trucs qu'on fait comme ça dans la vie, tu sais. J'ai été compositeur, j'ai composé dans un groupe qui s'appelait Trio Céphale, je me souviens. Très fusion, Dave Wakel, tu vois, c'était ma période, j'avais 20 ans, à fond dans la technique. Très bien, on est tous passés par là. Et puis j'ai compris, j'étais pas un grand compositeur, donc j'ai mis ça de côté. C'est sympa, ça fait un souvenir, on va dire. Et en tant que bassiste, oui, j'ai joué dans plusieurs formations en Normandie. Sur Nice, j'avais un groupe où on faisait des reprises d'Al Jarreau, de Chick Corea. Qu'est-ce qu'on faisait, Toto, enfin tous ces trucs qui m'ont toujours intéressé musicalement. Là, t'étais bassiste. J'étais bassiste. Et même cette année, en fait, tu vois, c'est des périodes. Pendant 10 ans, j'ai arrêté quasiment la basse. Je me suis concentré sur l'enseignement de la batterie. Et là, c'est un petit déclic. Je ne sais pas si c'est l'âge, j'en sais rien. Je me suis dit, tiens, on m'a offert une basse. Peut-être c'est ça le déclic il y a 2 ans. Et je vais remonter un groupe à la basse. D'accord. Mais pas en tant que compositeur, parce que je n'ai pas ce talent-là. Mais juste en tant qu'accompagnant, tu vois, accompagnateur. Et donc, j'ai déjà contacté plusieurs musiciens de la région de Toulon, ouais, des gens avec qui j'ai travaillé depuis des années, pour leur proposer le projet. Mais je ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un projet. Et comme tous les ans, j'ai 3-4 projets, puis il n'y en a qu'un qui se fait. Voilà. Comment va faire le batteur ? Le batteur ? Bah oui, parce qu'il va juste faire poum, tchac, et chances, ça ira très bien. Il y a des chances qu'ils soient même au batteur que le bassiste. Mais c'est pas un problème pour moi, ça. D'accord. Le niveau, ce que tu m'as joué tout à l'heure, c'était super. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une question de niveau ou de connaissance musicale, c'est une question d'échange de point de vue. Parce que la musique, c'est un langage. Oui, on peut parler l'anglais avec tel accent et tel autre. Moi, si je te parle en anglais, tu vas rigoler. Mais on va se comprendre quand même, il y aura un échange. Et c'est pas une question de niveau, tout ça. Parce que sinon, ça voudrait dire que j'aborde la musique de haut. Par rapport aux gens, ça ne sera jamais mon approche. Non, au contraire, c'est pour ça que je suis prof. Je veux échanger, je veux communiquer avec les autres. C'est ça l'idée. Et c'est vrai qu'avec la Gairon ou Yang, ça peut être un peu compliqué comme langage, parce que je fais des choses complexes à la batterie.
il faut que ça existe, ce genre de musique aussi. Eh bien, tous les gens qui sont venus me voir en concert, pas les albums, hein. Les albums, quand tu les écoutes, des fois, c'est un peu dur à écouter. Ouais, ouais. Je reconnais, sur Young, c'est pas facile. Et par contre, en live, il se passe des trucs. On se regarde, on improvise. Il y a des moments où on sourit, c'est complètement différent. Il y a l'énergie aussi, tu vois. C'est un langage. Et beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui ne connaissaient pas du tout cette musique-là, qui sont même hermétiques à cette musique-là, m'ont dit « mais c'est génial, c'est super ce qui se passe sur scène ». Voilà. Et donc ça n'a rien à voir avec la technique. C'est l'énergie que tu renvoies. Ça renvoie à ce que je te disais tout à l'heure par rapport au cours de batterie, ouais, qui est complètement différent de ce que je joue. En gros, je dis à mes élèves, ne faites surtout pas ce que oui, je fais. Oui, c'est assez particulier. Hein, ne jouez pas comme moi, malheureux. D'accord. Faites du groove, faites du swing. Bon, là, je ne parle pas du jazz. Aujourd'hui, c'est pas ma spécialité. Je vais laisser ça à Christian Grassard, qui est un grand ami et qui, lui, sait faire. D'accord. J'en joue du jazz. Hein, mais voilà, en tant que professionnel, on va dire, voilà, dans les big bands, en trio, quand on m'appelle, je vais le faire. Mais c'est pas ma spécialité, donc. Restons à notre place. C'est pas évident, hein, de faire ça quand c'est pas sa spécialité, parce que c'est quand même un style particulier à jouer. Alors, c'est toujours pareil. Tu peux, ça revient à la complexité des choses. Tu peux faire les choses mentalement en disant je vais essayer d'en rajouter, de faire des petits trucs, un peu des fioritures, ou alors rester hyper simple. L'accompagnateur, le bassiste, le pianiste, etc., ils préféreront toujours cette deuxième méthode, ouais, la simplicité. Demande à tous les musiciens. Ce qu'ils aiment chez les batteurs, c'est la simplicité, le son, et pas de fioritures, sauf si tu connais ton sujet, bien sûr. Alors c'est particulier, parce que moi qui joue dans des groupes de métal depuis toujours, ce qu'ils aiment, c'est quand il y en a partout. Mais ça va avec le style. Ils t'en demandent plus que ce que tu peux faire. Et en fait, ils regardent à quel niveau tu peux aller, jusqu'à quel point tu peux rajouter des choses, et ils te disent, ah, si tu peux en faire un tout petit peu plus, c'est parfait. Mais ça, si c'est à la demande du client, entre guillemets, tu fais ce qu'on te demande. Ça fait aussi partie du job, tu vois. Ouais. Et j'ai regardé ta vidéo sur les blast beats. Moi, c'est pas du tout mon sujet, on a parlé tout à l'heure. Mais c'est vachement intéressant, je découvre des trucs. Parce que je suis, mine de rien, de l'ancienne génération, tu vois. Oui. Et Yann m'a demandé d'en faire dans un des morceaux, Muscle Muscle. Tu savais même pas que c'était ça. Je savais même pas que c'était un blast beat, tu vois. Je l'ai fait parce qu'il m'a demandé. Mais là, c'est très académique, scolaire. On m'a demandé ça, je le fais. Mais je le fais pas naturellement. Ça va pas sortir dans mon jeu, tu l'as vu. Hein, Il n'y en a pas. Eh ben écoute, merci Volo. C'est moi qui te remercie, Nico. On va se quitter avec un autre morceau de la Gaïron, qui s'appelle. Qui s'appelle Prowling. Prowling. Ah, voilà. Mon fameux accent. Un morceau que j'aime beaucoup du deuxième album de la Gaïron. Alors, morceau chargé. Je le présente comme le deuxième album de la Gaïron. Alors, avec l'accent Vagrant Sleepers. Pas mal. La Gaïron. Et il est sorti fin novembre chez Clonosphère. Ah, super label, la Clonosphère, super label qui a fait émerger plein de groupes et qui du coup il y a le groupe Clone qui est un super groupe qui fait des tournées acoustiques interminables, qui fait des super concerts. On a joué avec eux il y a quelques temps. Tu vois, avec Florent Mercadet à la batterie, je crois, et qui est un super batteur. Et groupe excellent. Et puis, la Gaïron, groupe excellent aussi. Je crois que tu l'as pas. Je ne l'ai pas. Ah ben voilà. Et voilà, je gagne des choses. Ah. Vous voyez pourquoi tu fais une chaîne YouTube? Pour avoir des cadeaux. Voilà. Tout simplement pour avoir des cadeaux. En fait, je suis allé chez lui, il y a une pile de CD comme ça. C'est que des trucs que les gens m'offrent. Et je prends des cours de batterie particuliers gratuits aussi. Ça, c'est vachement bien. Parce que tu es payé une fortune, bien sûr, pour venir ici. Bien sûr. Voilà, une fortune. Tu m'as payé la batterie, là. La batterie, d'ailleurs, et la batterie est à moi, après. Hein, on va faire, bien sûr, une capsule matérielle. Il faut qu'on parle vite fait de tes sponsors qui sont Mapex. Meinl pour les cymbales. Alors, j'utilise principalement du Byzance au niveau de la gamme. Au niveau des pots, c'est Aquarian. Au niveau des baguettes, c'est Vatter. Voilà, en fait, drumsticks. Tu as le forfait complet Saïko. Exactement. Grâce à Christophe Tack, que je remercie beaucoup parce qu'il me suit depuis 10 ans maintenant. Et ça fait vraiment chaud au cœur parce que je ne suis pas quelqu'un de connu. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Je fais mon métier au service des gens. Et quelqu'un comme Christophe Tack me suit depuis 10 ans dans tous mes projets, absolument tous, y compris le projet Drums and Bass Tools. Il m'a dit, voilà, si tu as besoin de matériel... c'est super. Merci Christophe. Merci Christophe, merci pour Volo en tout cas. Et puis on fera une capsule matérielle évidemment sur cette batterie spécifiquement qui est une Mapex Saturn 5.
avec une superbe finition qui sonne vraiment très très bien. La caisse claire, c'est une machette. Enfin bref, on vous expliquera tout ça dans une vidéo à part. Et on se quitte avec ce morceau de la Gairun qui s'appelle Prowling. Et puis voilà, à très bientôt sur la chaîne. Il y aura plein de trucs qui vont se passer, évidemment. Moi, je continue le combat et j'espère que vous continuerez à nous suivre. Merci Volo. Au revoir. Prowling, prowling, hide yourself from cotton man. Prowling, prowling, make a hole.